ensuite, là, tu vas avoir tes délégués. Après, ton équipe, là, vous formez une équipe pour écrire une résolution. Vous mangez ensemble. Vous allez dormir au même moment. Je dirais qu'un MUN, c'est une ouverture sur le monde. Autant sur les questions internationales que sur les gens. C'est vraiment de travailler finalement sur des questions, sur des enjeux qui sont très, très politiques, évidemment, mais sur des enjeux qui touchent la population au complet, avec des gens à qui, dans le fond, la question s'applique, à qui la question ne s'applique pas, mais qui ont un regard quand même sur cette question-là. Yes, we have a vision of the future. And yes, we believe that Liberia can go further than it is right now. On n'est pas en compétition. Il y a des universités qui viennent chercher des récompenses, des notes. Hein? Ça fait partie de leur démarche universitaire. Vous, non. Vous n'êtes pas affecté par ça. Mais au départ, je vais être franc, j'avais pas vraiment d'intérêt envers la politique. Puis là, ça a commencé l'année passée. J'étais avec Vincent puis deux autres dans la première... comme le premier essai à Grasset, on était quatre. Puis tout de suite, j'ai commencé à avoir de l'intérêt de même pour la politique. Je sais pas pourquoi. Je peux même pas encore le dire qu'est-ce qui m'attire là-dedans, mais dès que j'ai commencé, je pouvais juste plus sortir de ce projet-là. C'est vraiment important de bien faire le travail de recherche avant de se rendre là-bas parce que faut que tu aies des choses à dire, faut que tu aies une opinion sur le sujet par rapport à ton pays, au pays que tu représentes. Justement, on a eu plusieurs présentations qui parlaient qui présentaient ce pays-là, puis comprendre en général qu'est-ce que le pays pensait au niveau international, comment il interagissait avec les autres pays. De créer quelque chose dont la première fonction, c'est la régulation. C'est quoi la régulation? C'est en fait tout ce que vous pouvez imaginer pour éviter de faire la guerre. Fameux beat new-yorkais de vie, là, c'est ça. On l'a vécu genre aussi net que genre, tout le monde en fait. Comment ouais. Qu'est-ce que tu veux dans ton bagel, c'est une question de vie ou de mort, c'est chop chop tout de suite. C'est le stress, stress dans la santé. I have a strong belief that your generation might be able to make the United Nations what it should be. That you will make sure that the United Nations is very strong, is very independent, and that will pursue the common goal of humanity. Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est que tu travailles avec des gens. La langue commune, c'est l'anglais. Donc, quand on est ensemble, on parle tous en anglais. On doit travailler ensemble sur différents comités, sur des enjeux précis. On écrit des résolutions ensemble, en équipe. Le travail d'équipe est vraiment important parce qu'on doit vraiment tous travailler ensemble. À l'extérieur du comité, d'où ils viennent, on apprend sur leur pays, sur la façon que ça fonctionne chez eux. Ça fait juste ajouter vraiment beaucoup de variété au projet, de la richesse au projet. Parce que oui, on fait des apprentissages au niveau académique, mais sur le plan humain, je pense que c'est vraiment considérable l'apport que ça nous donne. Mais là, vraiment, je support à la fois intellectuel et émotif. On échange aussi avec eux pour s'assurer que tout est clair. S'il y a des points qui sont nébuleux ou des choses comme ça, on peut apporter un soutien pédagogique, on peut apporter un soutien documentaire aussi. Thank you, Valérie. Liberia, you have the floor, and after Somalia. Honorable Chair, fellow delegates, the Republic of Liberia is glad to be part of this commission. Our priority is and will remain the healthy economic development of the African continent. Liberia recognizes agriculture as a primordial determinant of nutrition, education, poverty reduction, and rural transformation. The least developed countries have the chance to build a green economy like Kenya did. This is why Liberia is looking forward to create a better cooperation with the World Bank. To deny people their human right is to challenge their very humanity.
Yesterday, Liberia expressed its vow of not letting personal interests to endorse the deliberation in order to keep them transparency and justice. This vow was respected, and Liberia gives their credit to every member state. Thank you, Honorable Chair, and thank you, distinguished delegates. Il y a eu plusieurs informations qui ont été transmises quand même au training. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan de ce que vous avez entendu. Laurence, est-ce que tu peux conseiller? Tu peux commencer? Ouais, ok. Le point le plus important que je... À 11h, moi, les meetings, je trouvais ça super intéressant. C'était tellement pratique de voir comment tout le monde vivait ça. Puis, tu sais, on pouvait avoir des conseils ou des idées de comment ça se passait. Puis, étant donné qu'on a été les initiateurs du projet, on est quand même la première batch qui sont partis. On regarde ce petit planning. Bon, c'est sûr, Université Laval, UQAM, mais bon. Université Michigan, bon, tout ça, on regarde. Puis Collège Lionel Groulx. C'est nous autres, ça. Tu sais, le sentiment d'infériorité était là au début un peu, je pense. Mais le fait qu'on ait pu baigner avec tout le monde puis qu'on soit vraiment rentré dans la gang, ça contribue énormément à l'expérience aussi. Here it's been more than completed, and that all of you can go back home feeling that it's something very, very awesome. All of you.